Ça s'est terminé comme ça. Une large fumée blanche à l'horizon et les paysans intrigués qui s'approchent petit à petit. C'est ainsi qu'est mort Guillaume Desrolles, au premier jour du printemps 1919. Cet homme qui a traversé la guerre comme une furie, cet homme qui fut tour à tour séminariste, matelot, canonnier, boxeur, soldat d'infanterie, puis capitaine de régiment, puis simple soldat à nouveau, vainqueur à Massige, rescapé à Somain, cet homme qui a mené une expédition en Sibérie qui fit de la contrebande en Afrique, était un aventurier, un escroc, un vagabond, à la fois lâche et héros, prince et paysan, mondain, chimiste, souteneur, ivrogne, employé de la compagnie Meunier, maître d'œuvre du télégraphe, acrobate, intrigant, cabotin, mythomane et puis, par-dessus tout, poète. Maurice Barrès, qu'il a rencontré en juin 1917, salue la mémoire de Guillaume Desrolles, homme énigmatique, tragique protée. Lui qui a élevé l'honneur de la France et le sacrifice pour la patrie, au rang des vertus les plus justes et les plus belles, l'homme dont le linceul est un livre d'aventure et un livre de gloire, voilà le plus pur joyau de notre race. Pourtant, rien ne destinait Guillaume à la vie qu'il mena. En 1914, quand l'archiduc François Ferdinand est assassiné, il est encore à Brest et termine son séminaire. Il a cessé de croire au boniment des curés et il s'ennuie vaguement comme tout jeune de son âge. Le 4 août, la guerre est déclarée. Brest se réveille en apprenant la nouvelle et Guillaume s'embarque aussitôt sur le vapeur Saint-Jean qui quitte le port. Enfin, la fortune me sourit, pense-t-il. L'armada se déploie au large des côtes. Guillaume est fiévreux, il s'anime. Le spectacle des navires en marche lui procure des accès de lyrisme et il se sent prêt à tout affronter. De là datent ses premiers textes. Son style est encore naïf. Il écrit « La mer immense est au-dessus de moi. Le soleil s'est noyé. J'apprends à voir comme au premier jour. Vais-je crier ainsi qu'un nouveau-né ? » Et la guerre commence. Le 20 septembre, un officier sonne l'alerte. Un croiseur allemand est à l'horizon. Alors les canons tonnent bruyamment. Alors les obus sifflent de toutes parts. Le Saint-Jean se déchaîne et l'ennemi est coulé. Guillaume se porte volontaire pour mettre un scaphandre et inspecter les dégâts dans la coque. Le capitaine du Saint-Jean note dans son journal de bord Desrolles, matelot courageux, envoûtant, méfiance. Puis la vie à bord reprend son cours. Mais déjà Guillaume s'ennuie, lui qui a goûté le plaisir de l'aventure. Il change plusieurs fois de navire. Il est à bord du sous-marin Saphir quand, le matin du 3 novembre, profitant de la brume, le sous-marin se glisse dans la Raja de Busen pour torpiller par surprise des navires allemands. Puis on le retrouve sur un croiseur russe où il sert d'interprète, Lotchakov, avec lequel il sillonne la mer Baltique. Avec ses compagnons russes, il découvre la banquise, puis le bateau mouille au large de l'île de Gotland et l'équipage s'organise pour une vie à terre. Bon gré mal gré, les autochtones les accueillent. Guillaume prend une femme, une jeune vierge délicieuse, qui lui enseigne des plaisirs mystiques. Mais la dernière nuit, pris d'un accès de folie, il mutile ce sexe magnifique qui l'insulte et l'enivre. Le sang coule abondamment et Guillaume s'enfuit. À bord de Lotchakov, il délire, il rêve, il écrit « Je suis sur la mer gelée, j'ai peur, je ne sais pas aller jusqu'au bout. J'ai brûlé mon idole, pardonnez-moi mon ignorance. » Il aurait pu sombrer, mais le démon de l'aventure le reprend et à nouveau il s'impatiente. Nous sommes en février 1915 et Guillaume fait ce qu'il fera tout au long de la guerre, il décide d'aller voir ailleurs. Il confie ses projets à l'amiral Senès qu'il a à la bonne et l'envoie immédiatement en mission à Paris pour remettre un rapport à l'obscur président du conseil, René Viviani. Guillaume profite de cette excursion pour flâner dans Paris. Par l'intermédiaire d'un ami, il rencontre personne et les deux hommes s'entendent à merveille. Puis il se décote une petite qui travaille à l'usine. Il la promène sur les grands boulevards, aux Tuileries, dans le quartier des Halles. Elle dépose un cierge pour lui à Notre-Dame. Ils vont faire de la barque à Vincennes. Guillaume repensera souvent avec tendresse à ses chers petits seins roses et insolents et à cette odeur d'amande qu'elle se met sur les bras. Puis il retourne à ses affaires, il retourne à la guerre. Le 20 mars, Guillaume intègre le 2e corps d'armée. Avant d'être envoyé sur le front, les jeunes soldats suivent une formation d'un mois à Épinay. Il se fait un ami, un bambara vigoureux nommé Bolo Tasuma. Conditions physiques, entraînement à la course, au tir, à l'équitation. Guillaume ne sait encore ce qu'il adviendra, mais il se dépense de tous côtés pour être prêt à répondre à l'appel du destin. « Allons de l'avant, dit-il à son ami, j'ai idée que ce sera magnifique. » Son adresse prodigieuse et sa connaissance des hommes forcent le respect des autres soldats. Il se démarque à la boxe, au tir, à l'escrime, et rapidement ses supérieurs le nomment capitaine. Le 19 mai 1915, le 72e régiment se met en marche. Guillaume a 22 ans, il est capitaine d'infanterie. Il y a quelques mois, il terminait son séminaire. Dans un an tout au plus, il fera de la contrebande en Afrique noire. Mais pour l'heure, il est à la tête d'une escouade, il marche vers Arras. Les soldats sont joyeux, impatients, excités. En sortant de Compiègne, ils croisent un cortège de gueules cassées, mais cela n'entache pas leur morale. Chacun garde au fond de lui la certitude d'être protégé et intouchable. Guillaume se lie d'amitié avec Opov, un grand tchèque fantaisiste qui parle bien le parisien parce qu'il a été taxi pendant des années, et avec Merovitch, un juif particulièrement loquace, fourreur rue de Babylone, qui lui tient la jambe avec Max Jacob qu'il connaît bien et qu'il a rencontré plusieurs fois au bal de la chapelle. Après des jours de marche, le régiment traverse la ville d'Arras. Les brigades se séparent, Guillaume et ses hommes sont envoyés à proximité de Béthune. Les trompettes du soir gémissent lentement. Et là, ils assistent au spectacle le plus effroyable et le plus magnifique qu'il leur a été donné de voir.
Un feu d'artifice déchire le ciel, une pluie d'obus s'abat sur les environs, les camps français et allemands se répondent à intervalles réguliers, les canons gémissent de façon ininterrompue comme le grondement de l'océan, la terre expire, et les soldats tétanisés regardent avec effroi. Guillaume est aux premières loges, il contemple avec admiration ces machines de guerre, ces engins de mort d'une violence inouïe, et cet avant-goût de combat le réjouit. Il arrive au campement avec ses hommes. Ils ont à peine le temps de s'installer qu'on les envoie sur le front, à Massige. Pour rejoindre la première ligne, il faut emprunter le dédale des tranchées, suivre les boyaux sales et puants, patauger dans la boue, ne pas broncher, se perdre, revenir sur ses pas, éviter les morceaux de parois qui s'affaissent. Une fois sur leur position, les soldats se mettent en place. Ils attendent. Ça sent l'urine, ça sent la mort. Ils attendent sans savoir. Le jour n'existe plus. Les heures passent et s'écoulent. Il vide une bouteille de ratafia et dégoise des horreurs sur les femmes. Le petit Vincent qui a grandi à Alger leur parle des moukers qu'il a rencontrés là-bas. Enfin, le 3 juin 1915, Guillaume et son escouade participent à la grande offensive. Il faut récupérer la crête tenue par les Allemands. Et dans l'oblivie, la pagaille s'installe. Les soldats tombent les uns après les autres sous le feu ennemi. Ils hésitent, ils ont peur. Guillaume rassemble ses hommes. Une vingtaine au total. Ils traversent le bois de l'étang pour contourner la mitraille, attendent un moment, déboulent sur le flanc droit et s'engouffrent dans la tranchée allemande. Excité par la peur et par le sang, Guillaume se jette comme un démon. À demi conscient, il tire, il égorge, il exulte. La crête est reprise. La victoire est française. Guillaume soigne sa main blessée. Les prisonniers sont envoyés à l'arrière, on compte les morts, on enterre les copains sous le calvaire, comme ça, sans cérémonie, on verra plus tard pour les honneurs. L'état-major se félicite de la manœuvre. Guillaume devient caporal, et pour remercier ses hommes, il emmène tout le monde à la mer, à quelques kilomètres de là. Certains n'ont jamais vu la mer. La plupart ne se sont pas lavés depuis des mois. Le soleil réchauffe le corps usé et fatigué, alors les soldats délaissent petit à petit leur vision d'horreur. Ils sont heureux et insouciants, et le temps d'une journée, il semble que l'armée française ne soit qu'un vaste camp d'écoliers. Pourtant, l'affaire n'est pas du goût de tout le monde. La nouvelle se répand, l'état-major se met en branle, et ce qui devient l'affaire d'Hérol prend une ampleur nationale. Paul Deschanel s'empare du dossier, et le maréchal Foch écrit à Guillaume, « Caporal, mon ami, la guerre est une saloperie. Mais il ne peut en être autrement. Faites-vous discret, s'il vous plaît. » Alors Guillaume change de régiment. Il sera pilote. Dans l'escadrille 123, il fait la connaissance de 6 as de la voltige. Gaston Vial, Charles Daudefeuille, Maurice Boyer, Maxime Lenoir, Gilbert Sardier et André Perchicot. Ensemble, ils vont survoler sans relâche le secteur Morcourt et infliger de lourdes pertes au camp ennemi. Ensemble, ces hommes vont écrire les premières légendes de l'aviation militaire. Ce sont des héros. Mais grisé par la hauteur et le sentiment de liberté, excité par le danger, Guillaume n'obéit plus. Il vole pour son plaisir, tient des propos de plus en plus incohérents. Un soir même, il égorge sauvagement une petite danseuse de la région. On le soupçonne d'entente avec l'ennemi. On lui prête des influences dans les milieux anarchistes. Il devient gênant. Alors on cherche à l'écarter, on veut l'envoyer au bagne de Beribiri. Mais Guillaume prend les devants et déserte aussitôt. À la fin du mois de novembre 1915, il rencontre sur la tour Eiffel une délégation de Druzes et rentre au Liban avec eux. Il s'installe quelque temps à Betedine, dans l'entourage du cheikh Hussein Amadé de Baklim. Puis on le retrouve en Éthiopie, où il va rester une année entière. Il est tout de suite émerveillé par ce pays où tout reste à faire. Il se met au service du jeune souverain Li Jiasu, organise un réseau de contrebande et fait fortune en vendant des armes. Mais surtout, il écrit sans arrêt. C'est devant les paysages d'Abyssinie qu'il écrit ses poèmes les plus inspirés. À la fin de l'année, dans le train pour Addis Abeba, il rencontre le général Fayol, qui lui parle de la France et propose de le réhabiliter. Guillaume est nostalgique. Le 3 février 1917, il rentre. Mais le pays qu'il retrouve a bien changé. La guerre est une chose abominable et elle laisse des cicatrices. Guillaume traverse des terres désolées. Il rencontre Clémenceau et intègre une escouade à Cambrai. C'est avec cette petite troupe qu'il rejoint le front, près de Somain. Devant le foyer de la roulante, il retrouve un ami de la bataille de Massige. Il lui dit qu'il se sent amer et fatigué. Le 14 août, Guillaume accepte une mission extrêmement dangereuse. Et dans le brouillard du soir, sous une pluie fine, il quitte la tranchée avec quelques hommes. Il a laissé dans sa cagna un morceau de papier avec ces phrases « Que je voudrais mourir sur la rive inconnue. Ma vie est un beau livre et l'on tourne la page. J'ai goûté le meilleur, je vais goûter le pire. Les nuits s'en vont comme s'en va le jour. » Les balles sifflent autour d'eux. Les arbres sont saccagés par les obus, ils avancent. Les shrapnels explosent de toutes parts. Soudain, Guillaume tombe à terre. Il ne voit plus rien. Ses oreilles bourdonnent. Il entend son ami qui hurle à côté de lui. Il se sent partir, lentement. Il pense à Venise qu'il n'a pas eu le temps de voir. Les échanges de tirs se sont arrêtés. La nuit a enveloppé le champ de bataille.
Et son ami continue à crier. Il appelle sa mère, désespérément. « Maman ! Maman !» Le cri est déchirant, cette voix est insupportable. Guillaume cherche à tâtons son revolver. Il vise en direction du cri et tire. La voix s'est tue. Et Guillaume retourne à Venise, dans la cité endormie où les âmes des soldats errent en silence. Le lendemain, les secours le récupèrent. Il est emmené jusqu'à la route d'Escaudin, puis transporté par ambulance à l'hôpital d'Amiens. Là, toujours inconscient, il intègre le service du docteur Sancerre. Il est opéré le 21 août 1917 et perd son œil gauche. À partir de ce jour, Guillaume ne sera plus le même. C'est un naufragé, un rescapé. Il traîne son désespoir. Il passe plusieurs mois de convalescence à l'hôpital. Puis il rejoint le service du télégraphe, participe à l'installation des lignes et recouvre peu à peu ses facultés. À partir de l'été 1918, il monte dans les ballons de surveillance. Mais le 15 octobre, le dernier avion allemand lui tire dessus. Le dirigeable s'enflamme. Guillaume saute en parachute. Quand il atterrit, la guerre est terminée. Et tous les peuples victorieux d'Europe défilent sur les Champs-Élysées. Les Anglais, les Italiens, les Polonais, les Portugais, les Roumains. Guillaume est désœuvré. Il n'a connu que la guerre. Un ami lui propose un emploi dans la compagnie Meunier. Il cherche quelqu'un à envoyer à Saint-Pétersbourg. Alors il a pensé à lui. Guillaume arrive au premier jour de l'hiver. Il ne lui reste que quelques mois à vivre. La Russie est en plein bouleversement, il travaille un peu et voyage surtout. Il boit de plus en plus, il a parfois des accès de violence, il délire, il se perd. À cette époque, ses premiers poèmes commencent à être connus à Paris. Tristan Tzara et André Breton s'en disputent la filiation. Alors Guillaume rentre en France. Il veut maintenant rédiger ses mémoires de la guerre. Mais il n'aura pas le temps. Il s'enferme pour écrire ce roman qui sera son chef-d'œuvre et pourrait bien marquer son entrée fracassante dans le monde littéraire. Mais Guillaume est un damné. Il est rongé par la folie et triste à mourir. Il s'abîme et se détruit et se mutile pour accoucher d'un monstre sans nom, mais le monstre ne sort pas. Un matin de printemps 1919, ivre, malade, Guillaume met le feu à son manuscrit et le feu se propage et gagne la maison. Guillaume rit, pleure et meurt lentement. Il ne reste rien que cette large fumée blanche à l'horizon.